Il s'est ensuite suicidé. Des agents des forces de l'ordre se sont précipités sur les lieux juste après que la fusillade s'est déroulée dans une épicerie Kroger dans la banlieue de Memphis à Collierville. Les autorités n'ont offert aucune explication publique pour un motif possible. Les enquêteurs tentent de déterminer si quelqu'un d'autre a pu l'aider. Le chef de la police a qualifié la scène d'horrible. C'est horrible, ça fait 34 ans que je suis impliqué dans ce genre de choses et je n'ai jamais rien vu de tel. Mais nos équipes se sont serrées les coudes et ont travaillé ensemble. Ce ne sont pas seulement les policiers, mais les pompiers également. Parfois, il y a des retards. Il n'y a pas eu de délai avec nos pompiers qui sont arrivés avec nous sur place. Nous venons de nous entraîner il y a 2 mois à l'école secondaire de Collierville. Comme je l'ai dit, c'est avec le cœur brisé que je dois me tenir devant vous ici aujourd'hui.